Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais ouvrir ce magnifique coffret Simiabraze. Donc c'est un coffret qui vient juste de sortir et qui je crois coûte autour de 25 euros environ. Alors je dis je crois parce que sur internet des fois ça peut mettre des prix un peu plus chers. Moi j'ai pu le trouver à 25 euros tout simplement. Donc comme d'habitude je vais faire une vidéo d'ouverture et une vidéo d'analyse et de statistiques. Alors qu'est-ce qu'il contient ce coffret? Il contient une carte promo brillante de Simiabraze V, une carte brillante de Pangoléon, un grand format brillant, donc une jumbo de Simiabraze V et 4 boosters et du JCC Pokémon et une carte à code pour le JCC Pokémon Online. Donc c'est parti. Alors j'espère trouver des trucs intéressants. Bon, là, c'est vrai que les produits Pokémon sont aléatoires. Si on n'a pas un peu de chance pour la rentabilité, il faut attendre longtemps avant que la valeur des cartes augmente. En tout cas, on va toujours découvrir des cartes qui sont belles, neuves et belles. Hop, voilà. Alors, hop. Alors, le code pour le JCC Pokémon Online, je donnerai celui-là à la fin de la vidéo, comme je le fais d'habitude. Hein. Et puis, on va découvrir les cartes. Alors, déjà, la carte Pangoléon V, c'est la numéro 37. C'est une holo rare. Elle est magnifique. 37 sur 172. Qu'est-ce que c'est l'édition B08 ou B09? Voilà, on a aussi Simiabraze V, donc c'est la promo SWSH 252 avec la Jumbo. J'aime bien montrer les deux cartes en même temps, comme ça. On s'en rend un peu compte, plus compte de la taille de la carte Jumbo en fait. Donc, ok, et on a donc 4 boosters, les amis, en plus. Donc là, il n'y a pas de jetons hein, dans ce type de coffret. C'est surtout, sûrement, enfin, généralement une carte, une carte jumbo et une carte promo, voire plusieurs. Là, on en a deux. Et on a donc, alors, EB08 point de fusion, EB11 origine perdue 2 et astre radieux, c'est EB09 ou 10, 2B10, pardon, EB10. Donc oui, c'est dû assez récent. Ouh là, il n'est pas épais du tout celui-là comparé aux autres. C'est un truc de fou. On dirait qu'il n'y a même pas le nombre de cartes. Habituel dedans. Donc eh ben, je vais commencer par celui-là, EB08, point de fusion, les amis. Alors c'est l'ouverture en français, hein, comme d'habitude. Fait d'habitude. Allez, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le code pour le JCC Online, c'est gratuit, profitez-en, pour ceux qui souhaitent le récupérer. Hop, je le laisse là. C'est vrai que les cartes font pas très épaisses. On va voir. Alors, en premier, on a Galvaran. Alors, ça va être les communes en premier, parce que j'aime bien faire le petit filtre comme ça, pour garder du suspense, mettre les communes, peu communes, et holo rare, et rare, ultra rare. Allez, c'est la commune 98. Moumouton, commune 221. Tonicoton, commune 24. Gobou, commune 62. Sabelette, commune 131. Damien, peu commune, adresseur 241. Passe de combat VIP 225, peu commune. Et Gravalanche, peu commune, numéro 136. Ok. Une énergie électrique. Et on a Fenard, c'est une peu commune reverse, la numéro 31. Et en rare, pour EB08, point de fusion, on a Latios, la 194. Bon, c'est une rare classique. Et il n'y a rien de spécial dans ce booster. Allez, on continue. Bah, on va aller plus loin. On va aller prendre maintenant EB. C'est EB10, je crois, Astro Radieux. Alors c'est vrai que quand vous achetez ces coffrets, vous avez 4 boosters, mais on ne sait pas quelle édition c'est. Donc moi c'est pour ça que je me permets de faire des vidéos comme ça, je vous donne les éditions qui sont dedans. Normalement dans tous les coffrets, il y aura ce type d'édition, tout simplement. Donc si vous avez déjà beaucoup de boosters EB11, c'est pas la peine, vous en avez deux dedans, donc faut voir votre intérêt. Allez, le code pour le JCC Pokémon en live. Hop. Donc là on est à Astre Radieux, c'est quoi EB10 je crois. Ah, je sais même plus, je vais finir par mélanger. Allez, en premier, on a Baudrive, la commune numéro 63. Simularbe, commune 74. Magnéti, commune 105. Tarsal, commune 60, pardon. En violet, les chiffres sont difficiles à lire. Farfuré de Isui, commune 92. Massball de Isui, peu commune 146. Chaffreux, peu commune 128. Plumeball, peu commune 141, c'est un dresseur. Une énergie plante. Ah, en reverse hérissante, c'est une commune reverse, là, numéro 23. Allez, on arrive à la rare, ou ultra rare, avec un peu de chance, c'est parti. Tac, Régidrago, c'est une carte rare classique.
Bon, rien de spécial. La numéro 118. Bon, deux boosters et rien du tout. Alors, j'espère que je vais être un peu plus chanceux pour EB11. EB11, ça serait sympa quand même d'avoir quelque chose dans EB11. Donc, c'est l'édition quand même qui est la plus récente. Et ouais, il est épais ce booster. Ben, voilà, il y a des cartes qui sont plus épaisses. C'est ça qui est marrant. Allez, le code pour le JCC Pokémon Online. Ah, la carte du JCC Pokémon est beaucoup plus épaisse que les autres. Dommage. J'aurais aimé qu'il y ait des super quintes, une super quinte. En fait, cette carte est vraiment épaisse, là. Allez, hop, on arrive. Première commune. Polychombre, c'est la commune numéro 72. C'est parti. Chenipote, commune numéro 6. 59, Anchevat, commune 59. Grenipio, commune 11. Hippotrempe, commune 35. Iriama, commune, peu commune 98, pardon. Spectrum, peu commune 65. Tétart, peu commune 31. Une énergie plante. Une reverse, une peu commune, Lac Messigne. C'est la peu commune numéro 47. Bon, pour l'instant, il n'y a rien eu. Allez, hop. Une rare classique, Scorvol, la numéro 96. Bon, bah, rien du tout, les amis. Même en termes de reverse, même pas une rare reverse. Alors voilà, vous avez pu voir toutes les ouvertures qu'il y a eu sur ma chaîne. Des fois, on n'a rien. C'est comme ça. C'est le hasard. J'espère quand même avoir une petite carte sympa. Surtout pour les ouvertures, c'est quand même mieux d'avoir quelque chose. Elles sont vraiment épaisses, ces cartes-là, pour le JCC Pokémon Online. Elles sont beaucoup plus épaisses et beaucoup plus rigides dans cette édition EB11. Allez, c'est parti. Le dernier booster, les amis, de ce coffret. Simiabras V. Ah ben, en premier, la commune Simularbre, la 94. Archéomir, commune 125. Dynavolt, commune 54. Fantominus, la commune 64. Opermine, commune 106. Sévipère, peu commune numéro 116. Limonde de Galar, peu commune 127. Un dresseur boîte à désastre, peu commune 154. Une énergie combat. Allez, la reverse. Oh, une TG. Waouh, super les amis. Bon, il y a au moins une carte intéressante. Ectoplasma, c'est la TG06 sur TG30. Alors, on va pas s'enflammer parce que des fois, c'est des cartes à 1€. Hein. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Bon, au moins une carte intéressante dans ce coffret. Voilà. Et la dernière carte, tac, une rare classique, Elex Sprint, la numéro 55. Bon, monsieur, les amis, c'est un petit coffret, le bilan, voilà, tout simplement. Donc, c'est vrai que il y a un booster EB08, un booster donc EB08 point de fusion, un booster EB10 Astro Radio, je crois que c'est EB10, un booster EB11 Origine Perdue, deux boosters, pardon, EB11. On a cette carte Pingoléon, qui est une holo rare, et puis on a aussi les ultra rares Simiabras V, c'est une promo avec la Jumbo Simiabras V, voilà. Voilà ce coffret Simiabras V, ce qu'il contient, et j'ai eu la chance d'avoir cette carte Ectoplasma, voilà. Donc les amis, bah maintenant je vais faire une analyse de cette ouverture, et je vais vous dire ce qu'il en est réellement de la cotation des cartes que j'ai obtenues, je dis bien à maintenant, à l'ouverture de ce coffret, parce que ça change tout le temps, ça montera dans le temps, parce que mes prix sont toujours les minimums, mais au moins vous saurez, et ça vous donnera un ordre d'idée. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.